Salut à tous, c'est EasyTech. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui sera pour avoir comment avoir Snap craqué. En gros avoir les fonctionnalités que Snapchat simple ne propose pas. Donc alors c'est pas si sûr que ça. Alors la première étape c'est d'aller sur le site qui sera dans la description. Donc ce sera tutoapp.vip. Et là une fois arrivé sur cette page là vous faites download. Moi j'ai déjà vérifié, mais vous, bah normalement ça devra télécharger. Une fois que ça téléchargera, ça fera comme l'icône qui sera ici, là. Donc celle-là, tu helper. Donc une fois, normalement si vous cliquez dessus, ça vous marquer un petit message d'erreur. Vous allez dans réglages, général, gestion des appareils, et vous cliquerez comme ça, et vous faites vérifier. Là où ça sera écrit vérifier à la place de supprimer les apps. Une fois vérifié, vous cliquez dessus. Et là, ça sera bon. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Tutu Helper. Donc, vous lancez Tutu Helper. Vous allez une fois donc Search Apps and Games. Search. Et là, vous tapez. Que vous avez tous les snaps, vous prenez le fantôme, celui-là, sur pas le plus, ça sera le fantôme. Vous cliquerez sur install en bas, donc là vous aurez un chargement. Bon, généralement, c'est assez rapide. Donc, voilà, on attend. Entre temps, on prend un chargement. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos ou. N'importe quoi sur PC, téléphone. Enfin, si vous voulez un tuto spécial, vous me dites en commentaire, puis je vous ferai. Je compte me lancer que dans les tutos en ce moment. En ce moment. Après, je verrai, je changerai. C'est comme vous voulez. Après, vous me dites un tuto sur un site craqué, un jeu craqué, ce que vous voulez. Puis moi, je vous ferai un tuto sur YouTube dans les brefs délais. Avec cette application-là, on pourrait faire plusieurs choses, hein, comme avoir tous les feeds de géolocalisation dans le monde entier. On pourrait regarder les stories des gens sans que les gens le voient. Ça, c'est pas mal, ça. On pourrait prendre des photos, screen des photos, et les mettre dans votre véhicule directement sans que la personne le sache. Voilà. Ça, c'est pour certains, hein, qui regardent les meufs. C'est pas en français, donc s'en fout un peu de leur commentaire. Ouais, voilà, c'est comme ça. 93%. 17, 19, 100. Voilà, là ça vous met, si vous souhaitez installer Snapchat Phantom, vous faites installer. Et là, logiquement, ça va s'installer sur votre téléphone, ici. Donc là, elle est en bas à droite, moi. Ça s'installe l'application. Installation. Oui, de finette. T'es 5 étoiles quand même. On attend que ça s'installe. Avec Tutu Helper aussi, je vous ferai peut-être d'autres tutos. Puisqu'il n'y a pas que Snap craqué, il y a Twitter craqué, Instagram craqué, enfin il y a toutes les applications en craque. Enfin, c'est vraiment une très bonne application, je vous montrerai des tutos par la suite pour d'autres applications si vous le souhaitez. Voilà, ça s'installe. Je suis désolé aussi pour la barre rouge en haut, j'ai trouvé qu'une application qui règle le téléphone avec une barre rouge. Donc ça fait pas très très soigné, mais bon. C'est la seule option que j'avais. J'essaie d'en trouver une autre pour une nouvelle vidéo. Oh, ça charge encore, c'est un peu long. Snapchat Phantom. Voilà. Donc
que là, une fois que c'est installé, ça ressemblera à ça. Un snap avec des yeux bizarres, quoi. Vous cliquez dessus. Si vous avez le message d'erreur, vous allez dans réglages, certification des profils, et vous le certifiez aussi. Hein. C'est comme tout à l'heure. En fait, ça vous marquez ce petit message là. Faites ignorer, on s'en fout un peu. Là, vous marquez, enfin, vous vous connectez à votre compte. Nous sommes sur un Snapchat craqué, accéder au micro. Voilà. Donc après vous pouvez faire plein de fonctionnalités. Par exemple comme celle-ci. Vous pouvez désormais visionner les stories de vos amis sans envoyer un sous-vu. Donc là vos amis ne voient pas que vous avez vu leur Snap. Par exemple ça. Clique sur une story au hasard, on s'en fout un peu. Là en bas à droite vous avez une petite flèche. Enfin, ouais, la flèche. Vous cliquez dessus et la vidéo ou la photo apparaîtra directement dans votre pellicule sans que vous ayez besoin de screen. Partout où vous voulez. On va le faire un petit peu de toute façon. Voilà. Ok. Là, sinon, je vois la fin de lire. Voilà, la fin de lire. Là. Voilà, vous avez des films. Hein. Vous avez plein de films, vous avez plein d'options. Enfin bref, voilà. C'était tout pour ce tuto. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Voilà. Et sinon, je vous dis à plus. Salut!